Salut tout le monde, moi c'est Nanou. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris sur YouTube. Tout ça parce que je me posais beaucoup de questions sur les vidéos concernant les enfants, avec les enfants. Et moi, ce que j'aime faire sur YouTube, c'est filmer mon quotidien. Et mon quotidien sans mes enfants, ce n'est pas mon quotidien. Donc je me suis posé beaucoup de questions, j'ai discuté autour de moi. Et pour l'instant, ce que j'ai pu lire et comprendre, c'est que certains commentaires vont être les commentaires vont être supprimés sur certaines vidéos de personnes. Moi, je suis une toute petite chaîne, donc je pense pas que ça va m'atteindre à moi, pour l'instant du moins. Et on a encore le droit de poster des vidéos avec les enfants, mais en janvier ou février 2020, il me semble que YouTube n'accepterait plus et n'autoriserait plus, et les vidéos ne seraient plus monétisées. J'arrive pas à le dire ce mot, enfin, on pourrait plus gagner d'argent concernant ces vidéos-là. Donc, de toute manière, moi, je ne compte pas gagner de l'argent avec. Je fais ça pour le plaisir et je n'en gagne pas de toute manière. En attendant, j'ai créé un IGTV sur Instagram où je posterai des vidéos beaucoup moins longues, donc beaucoup plus courtes. La logique d'Anne-Marie. Et je ferai des petits vlogs, tout ça, sur Instagram. Donc, je vous affiche mon Instagram juste là. Si ça vous intéresse à continuer à regarder mes vidéos, n'hésitez pas à venir me suivre et à s'abonner à mon compte Instagram. Revenons-en à nos moutons. Nous sommes le 3 décembre aujourd'hui et c'est mon anniversaire. Je fête mes 24 ans. Super, un âge de plus. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Ce matin, je vous ai pris de bonne heure, je vous ai filmé quelques petits passages, je vais vous les mettre juste là et on se retrouve juste après pour la suite de la journée. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé ce matin. Moi, j'ai commencé à filmer, il était 6h. Mais j'étais réveillée bien avant ça parce que j'ai une rage de dents, c'est horrible. La pharmacienne, elle m'a donné des cachets, mais ça fait strictement rien. Là, je viens de rentrer, il est 8h30 à peu près. Je vais aller réveiller mon chéri. Et voilà, Elina, elle dort encore. Je vais me refaire un petit café. Et la journée a bien commencé. Mon lit m'a appelée. J'ai réveillé mon homme. Mais du coup, je me suis allongée et j'arrive plus à me relever. Je sais pas si vous pouvez voir, mais sur mon dos, il y a un chien. Dolce. Mon fils. Mon fils. Mon bébé, tu vois. Voilà quoi. Il va falloir que je me lève. J'aurais pas dû me rallonger. Bon, le lit, c'est bien beau. Mais je crois qu'on a une mademoiselle qui est réveillée. Bonjour nous. Bonjour mon chat. Oui mon cœur. Oh, elle est malade. Ça va chaton? Qu'est-ce qu'on dit à maman? Bon anniversaire maman. Ah oui mon chat. L'année dernière, il y a un an, tu étais dans mon bidou. Oui mon amour, elle est malade mon bébé. Bon, je m'occupe d'elle. Je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.
On se retrouve 5 minutes plus tard, mademoiselle sortie du bain. Oui, qu'est-ce que tu as fait? On leur raconte ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai voulu la changer dans mon, sur mon lit. Jusqu'au moment où j'ai vu qu'elle commençait à faire caca, sauf qu'elle avait plus de couches. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris sur moi. Oui, tu tousses. Regardez mon pantalon. J'ai de la merde de partout. Merci, Elena. Du coup, je l'ai vite envoyée au bain. Et mon amour, merci, tu as baptisé ta mère le jour de son anniversaire. Pleine de caca. Oui. Du coup, je l'ai vite envoyée au bain. Et là, ben, je vais la préparer. Oui. Ah. Et après, je me changerai à moi, quoi. Merci, mon chat. Merci, mon chat. Ça y est, j'ai changé princesse. Mais je viens de remarquer que j'ai du vomi. Du caca. Ici. Ici. Je vais bien vous remontrer. J'en ai tout là. Et tout là. Je pue le mort. Je vais aller me changer tout de suite. Merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Ouf. Ça y est. Je me suis changée. Mon homme est rentré de chez le tifeur. Je m'apprête à partir chercher Kiara à l'école. Combien de degrés? 4 degrés. Il fait très froid. Même dans le sud, il fait froid. Du coup, ça y est, on a fini de manger. Je vais reboire un petit café avant de retourner à l'école. Mais avant ça, Kiara voulait vous montrer son activité avec Donovan pour Noël. Tu leur montres? Oui? Allez, vas-y, montre sur la chaise. Je t'explique. Oui, tu as repassé des pins de pain. Des pins de pain de vin, ça c'est d'adou. Ouais, c'est de la neige. Et là, c'est elle de maman. Ah, waouh! Et en fait, vous avez collé tout ça sur un carton. Mmh, et ça, c'est pour faire quoi? Ça, c'est la neige. C'est la neige? Qui va tomber? Tu crois qu'il va neiger chez nous? Oui. Ça, c'est la maison. Ça, c'est la maison. Ça, mais c'est le sapin. On allait faire une maison avec un carton, mais il y en a un qui... Pour l'instant, on a posé ça. Mais ça, c'est le cheval. C'est très beau, hein? T'es fière mais de toi? Mais avant, oui. Il était là. Oui. Et t'es fière de toi? Oui. Voilà. On va où demain? Au cinéma 2. Au cinéma 2? Non. Au cinéma, voir quoi? La Reine des Neiges 2. Ouais. Avec qui? Magali et Théo. Et on va manger où le midi? À McDo. Tu es contente? Ouais. Alors fais-moi un bisou. Mange quoi là? Les bonbons bonhomme de neige. Les bonbons bonhomme de neige avant d'aller à l'école? Et là, on n'a pas le droit. Et pourquoi tu le fais? Ah là là, cet enfant. Mais par contre, il pique un petit peu. Il pique un petit peu. Tu les as eu dans quoi? Dans le calendrier? Dans le calendrier. Dans son calendrier de l'avant. C'est Donovan qui va l'amener à l'école. Parce qu'il a des courses à récupérer au drive, à Auchan. Tu veux faire quoi? Leur montrer le calendrier là-bas? 1, 2, 3. Ouais. C'est bien. C'est dans lui que tu as eu... Ouais, lui, c'est celui du Papa Noël. Et dans lui, tu as eu les haricots. Ouais. Oui, donc du coup, je vous disais, c'est Donovan qui l'emmène à l'école parce qu'on a un drive au champ à 14h, Béa. Je ne sais pas où il est. À 14h, il me semble. Ensuite, il rentre à la maison. Après... Attends, mon amour, s'il te plaît. Et après, Kiara. Il va me voir ma surprise. Oui, mais attends, j'étais en train de le dire, chérie. Donc après, il rentre à la maison. On met toutes les courses à la maison parce que c'est pour faire un apéro dînatoire ce soir. Avec la famille. Et après, on retourne acheter ce qui nous manque, dont une surprise pour mademoiselle, parce qu'elle a dormi. Bon, c'est pas la première fois. Hein. Mais on essaye de lui faire comprendre que ça y est, elle a 4 ans et demi, qu'elle n'a plus besoin de nous mais rejoindre. Parce que, bientôt, il y a le Père Noël qui passe et mouille. Moi, en haut, il va faire en bas. C'est ce que tu veux. Peut-être que le Papa Noël ne va pas te l'emmener. Hein. Non, mais peut-être. Peut-être que oui. Peut-être il va pas me ramener tous ses jouets. Mais non, tu as commandé beaucoup de choses. Hein. J'ai commandé le slime, le vélo, le repas à repasser, la planche à repasser, le lit, les Lego, poupée LOL, Barbie, poupée LOL. A commandé beaucoup de choses. Je vous reprends. Donovan est parti emmener Kiara à l'école. Je bois mon petit café tranquillement. Après, j'irai me reposer. Mais je voulais juste clarifier un petit point avec vous. C'est la liste de cadeaux au Père Noël de Kiara.
Donc elle sait très bien qu'il y a énormément d'enfants dans le monde et il y en a qui sont encore plus dans le besoin qu'elle. Donc déjà avant Noël, le mois dernier, on a fait un gros tri et on a donné à des personnes dans le besoin, tout simplement, parce que elle allait avoir des cadeaux du Père Noël cette année si elle avait été sage. Mais elle sait qu'elle a commandé un million de choses, hein, comme tout enfant, je pense, dans le catalogue, ils entourent tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils veulent. Même s'ils veulent pas, ils entourent quand même des trucs de garçon, des trucs de fille. Voilà, peu importe. Mais elle sait très bien que le Père Noël ne peut pas tout ramener non plus. Donc voilà. Donc je voulais juste clarifier ça. Elle n'aura pas un million de cadeaux pour Noël. Elle aura ce qu'elle a vraiment besoin et ce qu'elle joue le plus, tout simplement. Voilà. Là, je vais aller me reposer. Bon, pas devant ma télé, bien évidemment, parce qu'elle est HS. Et j'attends de recevoir mon socle pour la télé que ma mère me prête. Je vais me reposer un petit peu le temps que Donovan est au drive de Auchan. Ensuite, quand il revient, on partira à Carrefour. Ouais, on va vers tous les magasins aujourd'hui. Et après, on rentrera à la maison. Ce sera l'heure de récupérer Kiara à l'école. On rentrera à la maison. Je pense que je vais me maquiller avant qu'il arrive. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et ce sera pas à faire, tout simplement. Parce que oui, c'est long. Et au moins, je peux prendre le temps sans les petites. Enfin, que la petite dort et l'autre est à l'école. Et quand on rentrera à 4h30, ce sera l'heure de préparer de l'apéro dînatoire. Donc, de faire tout cuire, mise en place de la table, blablabla, blablabla. Normalement, c'est mon anniversaire. C'est pas à moi de faire tout ça, hein. Mais bon, je vais le faire. Je vous retrouve un make-up après. Donc, en fait, j'ai voulu vous filmer, mais j'ai ma fille qui s'est réveillée au même moment. Donc, c'était la catastrophe. Alors, je vais juste vous dire les produits que j'ai utilisés pour ceux que ça peut intéresser. Alors, j'ai utilisé la base de chez Milk. Elle est super pour tout ce qui est pores. Elle floute de fou. Et en plus, pratique d'utilisation parce que c'est un stick. On le passe comme un rouge à lèvres. Donc, en base, j'ai utilisé celle-là. Ensuite, en fond de teint, j'ai utilisé celui de chez Clinique. Anti-blémish solution, liquide make-up, fond de teint liquide anti-imperfection. Donc, c'est celui-là. Ensuite, j'ai juste réchauffé mon teint avec le Oula de chez Benefit. Je ne fais pas de contouring, donc voilà, je ne sais pas le faire. Ensuite, j'ai mis du blush. Et avant ça, avant tout, j'avais fixé mon teint de base avec la poudre de chez Laura Mercier. Elle fixe, elle matifie, elle est dingue. Je vais l'acheter en grand format. Après, j'ai fait mon blush, forcément avec mon blush de chez MAC. Eyeliner, c'est un eyeliner de chez Benefit, le roller liner. Voilà, j'ai fait vraiment quelque chose de simple. Mascara, Where is? Voilà, Scandalize Wow Wings Rimmel London. Voilà, c'est celui-là. Continuons, continuons. Mes sourcils, c'est la catastrophe. C'est ce que je vous expliquais en vidéo quand j'ai commencé à filmer. C'est que j'ai rendez-vous que vendredi. Et moi, m'enlever un poil, je n'y arrive pas. Je me fais des trous. Donc, je préfère laisser faire les professionnels. J'ai rendez-vous que vendredi. Tant pis. J'ai juste comblé mes trous avec les produits de chez Benefit. Voilà. Palette pour les yeux, j'ai utilisé la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Et j'ai rajouté un peu de couleur de la palette de chez Peggy Sage, ce côté-là. Et j'ai mis juste un petit peu de pailleté, enfin entre guillemets des paillettes, ou de chez Kiko, c'est un mono. Voilà. Oui. Il est comme ça. Voilà. Et voilà. C'est tout. Et pour appliquer tout ça, un pinceau de chez Action, un pinceau de chez Armani. Un pinceau Peggy Sage pour mettre le blush. Une pompe, j'allais dire. Oh là, je suis fatiguée. Hein. J'ai dormi que 30 minutes. Beauty Blender, mais pas Beauty Blender de chez Fenty Beauty. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et voilà. Et ce que je disais, c'est que ça, la matière, ça la mange. Ça la gobe. Ça... Le fond de teint, tu mets une pompe et trois quarts, ils sont dans l'éponge. Du coup, souvent, j'utilise les petits pinceaux comme ça de chez Action. Et ils sont super. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vais hydrater mes lèvres avec le Lip Perfector Baume Lèvres Perfecteur de chez Yves Saint Laurent. C'est un petit échantillon. Et de toute manière, mon rouge à lèvres, je ne compte pas le mettre maintenant. Donc, voilà. Hâte. Hop là. Et voilà. Ben voilà, petit make-up terminé, je me coifferai, préparerai, je ne sais même pas si je vais me changer, on verra. Tout ça après, je vous retrouve un peu plus tard. Bon, on est rentré, il a récupéré le drive. Alors, on a pris.
l'ananas, c'est ça pour moi. Trop puissant, trop puissant, ça. Alors, c'est dégueulasse. Je ne peux même pas sentir l'odeur, sinon ils vont me tuer. Très sec. Ah, c'est fini. Les tomates. Mais pour ça, c'est bien. La tomate mozza. La mozza en boule, hein, au moins c'est pratique. Et ça. Deux quiches Lorraine. Oui, j'en ai envie de rien faire. Le seul truc qu'on doit faire, c'est quoi? Pour la saucisse. Et les brochettes de tomates. Ouais, c'est ça. Pour la saucisse, voilà. Ensuite, des olives. Tiens, ouais, comme vous avez vu, en fait, on veut pas trop se prendre la tête, c'est un truc vite fait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as oublié quoi? Eh, c'est pas que tu as oublié quelque chose, c'est que les roulés à saucisses, on peut pas les faire encore, parce que les saucisses, ça sent encore. Non, il y en a au frigo, j'ai sorti déjà la pâte feuilletée. Ah, je suis une femme. Mais il vient de me dire quand même que c'est lui qui allait cuisiner, que c'est pas moi. Ouais. Voilà. Ouais, donc voilà, j'ai pris juste de la mayo pour mettre avec les bâtonnets de crème, la dégueulasse, voilà. J'aime pas, excusez-moi. Mais sinon, c'est vraiment du tout prêt, on envoie tout au four et c'est très bien comme ça. Et il nous manque 2-3 trucs qu'on doit aller acheter cet après-midi. On doit y aller là. Et le gâteau, bien évidemment. Voilà! Donc on se retrouve plus tard. Quand ton homme se prend pour un cuistot. On sait même pas comment on va le découper et le manger. C'est bon, non. Voilà, tout est prêt. Il ne manque plus qu'à envoyer au four, mais ça, ce sera pour ce soir. Désolée, je regarde de l'autre côté, je suis perturbée. Petit saucisson. Petit saucisson, ouais, allez. Les trois courses qui restent. Et voilà, et les trois courses qui restent, on y va juste avant d'aller chercher Clara. Donc, c'est le moment. On va y aller. Ouais. On vous embarque avec nous. Mon homme, il est trop lent, mais pour tout, en tout, pour tout. Il arrive. 4 heures plus tard, ton Ovan est là. 4 heures plus tard, ma princesse est là. On vient de finir Carrefour, on a acheté ce qui nous manquait et vu qu'il est 16h05, bon, on est directement allé se garer devant l'école de Chiara. Mon mal de dents, il revient. On a récupéré Chiara et là, il va lui donner sa surprise. C'est bon, t'es attaché? Oui. Alors, on a dit... Tu as mes mains? Non. On a dit qu'on commençait par la première surprise, celle du fait que tu avais dormi toute la nuit dans ta chambre, ok? Là, je peux les laisser ouvert. Oui. Oui. Alors. Ça, c'est déjà. Attends, montre-moi là d'abord. Ah, t'as vu? Ah, regarde. C'est la Barbie de qui? C'est qui? C'est ça. T'aimes bien? Oui. Mais pourquoi je n'ai pris que ça? Mais j'ai une surprise! Eh oui! Pourquoi les enfants ils sont jamais c'est contents ils sont jamais comme contents ça? De. Mais t'as dit qu'ils mangeaient le calendrier là-bas! Mais attends! Mais attends! Ça mais c'est attends. La première! Qui te dit que j'ai que ça? Qui te dit que j'ai pas autre chose au lieu de râler là? Elle te plaît déjà? Oui, moi je peux ouvrir. Est-ce qu'il y avait un an? Il y en a, mais ça c'est pour au cas où, c'est pour une deuxième surprise, il faut laisser des cadeaux, oui. Papa Noël! Eh oui, quand même! T'es contente? Après. Ferme les yeux! Tu peux les ouvrir! C'est le calendrier de l'avance, Martine! Et ça, si tu dors toute la nuit dans ton lit. Tu pourras les ouvrir! Tu pourras les ouvrir! Si tu dors pas toute la nuit. Tu l'ouvres pas! Tu l'ouvres pas, ce sera maman qui le mange! Et T'es contente? Je trouve même pas le 1. Et qu'est-ce qu'on dit? Ben, le 1, il faut le manger en plus! Maintenant? Et on dit quoi? Merci! De rien. Ah non, 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 pas maintenant. Mais oui. Mais oui, le 1. Ah oui, c'est vrai, le 1, c'est passé. Ouais. Le 1, le 2, le 3. Le mais 3. Après, pas dans la voiture, chérie. Après, ouais, mon chat. Parce qu'il y a le plastique tu et tout. Tu dis merci. Merci, mais... Bon, maintenant, on va chercher mes cachets à moi. Allez, c'est parti. Parce que mon meilleur ami, c'est le meilleur. Il a des cachets. Est-ce que je vais t'aller là? Exprès pour mes dents. Et qui vont foncer. Qui vont fonctionner. Allez, je vous retrouve quand on rentre à la maison. Ça y est, je suis explosée. Le cachet est en train de faire effet et ça m'a tuée. Comme vous pouvez voir, ça a bien avancé. Voilà, on a changé la table parce qu'on est beaucoup plus que prévu. Donc, ben, écoutez, on pousse les murs hein, quand on n'a pas le choix. Je suis partie récupérer les chaises chez ma cousine, un banc que j'avais dans ma cave. On a poussé la table et en fait, on va faire vraiment genre buffet et tout le monde assis parce que ben, j'ai pas une table pour 20 personnes.
La douleur est toujours là, hein, mais le cachet fait effet au niveau de la tête. Ça m'en suque. Voilà, j'ai tout envoyé au four. Donovan est reparti chercher 2-3 bricoles avec Chiara et Elina dort. Et moi, ben, je sors du four, je rentre au four, je sors du four, je rentre du four. Voilà, voilà. Ben, écoutez, pour l'instant, j'ai rien d'autre à vous filmer, mis à part mettre des plats dans le four, sortir du four. Je pense que ça, vous savez. Première partie de pizza, cuite, roulée saucisse, petit roulé. J'ai sorti ça, mais je ne peux pas les défaire. Voilà, ça fait comme ça. J'ai mis de l'alcool là. Le reste est au frigo. Parce qu'en fait, il y a des invités qui arrivent plus tard. Donc, j'en ai laissé par là. Ça, il faut le couper. Le reste, c'est dedans. Est-ce que vous pensez que je vais avoir le temps de me changer? Telle est la question. Mon homme va bientôt arriver. Enfin, j'espère. Parce que je n'en peux plus. Je garde des choses pour mettre en deuxième fournée. Les gâteaux sont encore dans le coffre de la voiture. Heureusement qu'il fait froid. Le vin est dans le coffre de la voiture. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attention, je préfère prévenir. Bon, déjà que je montre mes enfants, si je parle d'alcool et de cigarettes, YouTube, ils vont me bannir. Le four, c'est encore dedans. C'est mon anniversaire. Il m'avait dit que c'est lui qui devait faire. Hein. Il m'a arnaqué là, pour le coup. Mais voilà, je pense qu'on est bon. Je pense que je mérite bien rouler la saucisse. Du coup, voilà. De rajouter le vin. La princesse qui s'est réveillée. Hein. Voilà. Et le reste est au four pour attendre la deuxième fournée. Du coup, ça y est, tout le monde est arrivé. Donc, je vais continuer la soirée tranquille, tranquillou avec ma famille et mes amis. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, je me gèle, j'ai froid. Et ben, écoutez, je vous retrouve très vite dans un prochain vlog. Bye bye.